Coucou tout le monde! Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Coucou! Alors, mes loulous. Attendez, je finis mes petits réglages. Donc, pour ce soir, je change. Et oui, je continue pas à Tales tout de suite. Hein, et on part sur Nier Replicant. Ok? Donc, en fait, je faisais pas encore du stream à ce moment-là, mais j'ai déjà fait la moitié du jeu. Et j'en suis à la seconde partie. Hein, celle où, voilà, où il y a eu je sais plus combien d'années qui sont passées. Je sais plus exactement. Mais en gros, la version où il est un peu plus grand, quoi. Hein. Ok, donc c'est parti. Où du coup sa sœur avait été capturée. Voilà, on va reprendre ici. Et comment elle s'appelle aussi? Du coup Kainé, ça avait été problématique aussi. Donc on reprend là. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Voilà, c'est bon. Je voulais juste enlever la souris. Ok, alors. Faut que je me rappelle des boutons. Ah ouais, d'accord. Protection. Ça c'est quand je... Ah ouais, j'étais en train de combattre avec ça. Et rond, c'était quoi? Ok, je sais plus. J'allais dans magie et voilà, là je pouvais changer. Donc là au lieu de mettre la tornade, généralement je mets la lance en classique. Mais la tornade ça m'avait bien aidé hein, face au boss et tout, c'était hyper compliqué. Ok, bon bah on continue, c'est parti. J'espère que ça va, vous tout le monde. Tout à l'heure j'étais dans mes révisions de flûte. Et oui, je suis encore étudiant pour certaines choses. Non, j'ai mes cours de flûte tous les mercredis matin. Alors, c'est reparti. Pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est avant Nier Automata. Ah oui, ce moment-là. Kainé. Qu'est-ce qu'on... Comment on affiche la carte? Voilà. C'est le temps que ça revienne. Après, c'est bon. On va aller voir... Et voilà! Koata. Ah, c'est Popola. Oh là là. Sokana. Popola-san wa chittomo kawaranai nda na. Oseji mo seichou shita janai no. Hontou ni... Popola. Mukashi kara inshou ga zutto kawaranakute. Alors, salut Momo, c'est moi Emile. Désolé de mon silence. Et alors, Emile, c'est le petit gamin avec le bandeau. Et si jamais il voit les gens, il les pétrifie. Ok. T'entends-tu bien avec Weiss, le fameux livre? Utilise-t-il toujours les mots complexes qui donnent l'impression d'être idiot? Je suis sûr que oui. Je suis tombé sur des documents susceptibles de nous aider pour soigner Kainé de sa pétrification. Tu pourrais venir me voir, ma soeur, je t'attends. Ok, on va aller voir. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas rejoué, j'avais fait la moitié, je m'étais arrêté. Ben là je me dis, allez, il est temps de reprendre. Et avec vous cette fois-ci. Non, c'est pas les options qui vont m'intéresser. Les ordres, il y avait quoi? L'animal? Ah oui, on pouvait appeler son animal, ok. Le grimoire. J'ai toujours les quêtes. Les armes. J'ai quoi sur moi? Mmh.
Utiliser les meilleurs mots. Pareil pour celui-là, j'imagine c'est la même chose. Ok. C'est laquelle que j'ai? Ah, c'est celle-là. Les magies. Ouais, ça a pas vraiment changé en fait. Ah oui, alors maintenant c'est vrai que j'ai les épées à une main, j'ai les épées à deux mains. C'est vrai. C'est la Kusanagi. Ouah, j'augmenterai beaucoup par contre ma puissance. Et en une main, j'ai celle qu'on appelle la foi. Ok. En fait, celle d'avant, ici j'avais léger, lourd. Il y en a une des nouvelles, mais bon, elles me font baisser de puissance d'attaque. Donc elles vont pas m'intéresser. Et maintenant, il y a les lances. Donc j'ai la fulgurance. Oh putain, celle-là, ouais, elle me ferait monter beaucoup. Ah oui, la lance. Attendez, je vais juste vérifier pour la lance, est-ce que j'ai fait l'édition. Ouais, c'est bon. Bon, je vais rester comme ça. Hein, le combat à une épée, ça me va. Ah, il veut me parler. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah oui, j'aurai la montagne. Enfin, je retourne dans la montagne des robots. Je vais prendre. En général, j'accepte les quêtes. Hein. On a compris, c'est bon. On m'a CT, Air Medical. On y va. Ah oui, d'accord, il va y avoir des quêtes de partout en fait. Vu que c'est la reprise. Ne va jamais, nourriture. D'accord. Et l'apprenti voleur. Bon, je vais aller vite. Hein. Ah, c'est puis en plus, les quêtes, ils permettent de gagner de l'argent. J'imagine qu'il y en a d'autres ici. Ah, c'est B en fait pour parler. Ok, c'est ça, ici. Ah, c'est pour la quête. Et puis il y a lui. Ouais, petite farce. Bon, on verra ça plus tard. C'est pas le plus important pour le moment. J'ai envie d'avancer davantage dans les quêtes. Dans les quêtes, dans l'histoire. Ah oui, d'accord. J'ai oublié un peu là comment on jouait, moi. Ok. Comment on cible l'ennemi? Voilà. Il le fait automatiquement. Ah, bien.
Ouais, c'est bon. Je dois aller où? Ah oui, jusqu'au manoir. Bon, je peux y aller en monture, hein, mais bon, là, je vais faire les petits combats parce que faut que je gagne en expérience. Voilà, j'ai compris. Comment recycler? Ah, j'ai un objet là-bas. Je vais quand même aller le chercher. C'est l'argile. Voilà. Ah, pas eu. C'est bien, hein, ça va me booster, hein, tout ça, ces choses-là. C'est super bien. J'en ai raté ? De l'herbe. Oula, il va y avoir toute une panoplie. Lui d'abord. De ce monde. Ok, allez, on passe à lui. Ça va là, de toute façon, c'est pas très difficile. Hein. Et j'ai juste un petit réglage à faire. Attendez, hop. Voilà, ça va être mieux pour moi. Allez, t'es bon. Je vois mieux. Donc je dois aller au manoir. On va aller voir Emile. Donc c'est un peu plus dur. On va du coup équiper davantage mon arme. Allez où? Enfin davantage. Lui mettre les meilleurs mots. Ouais, j'avais déjà. Ça fait un petit moment qu'ils ne sont pas vus. Yokoso irashaimashita. Aruji ga heya de matte. Voilà, c'est ce petit enfant là. Sashiburi da na, Emile. Amari. Soka. Tokoro de Sekika Kaiju no tegakari o mitsuketa toyukoto da ga. Hai. Ah, d'accord. Une salle des archives. Dont la d'accord, pour contrôler des méthodes utilisées pour contrôler ou annuler des formes de magie dont la pétrification. この屋敷にある。そこに全ての魔力をコントロールする方法。ええ。はっきりとは分かった。その計画室ってのはどこに？中庭に入り口がある。分かった。
Un doux compagnon, vas-y viens, il va m'aider à pétrifier. Les fameux ennemis. C'est où qu'il faut que j'aille? Tout en... D'accord. Moi aussi, on va essayer de la libérer. Hein. Système des caméras est un peu embêtant. Et là... je vois. La décoration, hein, donc on est sur les tons noirs et blancs. Ah, il y a un tonneau à casser. Un carton, ouais. Et c'est ici que je dois aller? Non, mais je peux regarder. Il n'y a rien. Ah, je peux toujours sauvegarder. Je vais le faire quand même. Hein? Nakaniwani. Donc c'est pas par là. Ok. C'est genre ce qu'on peut pas courir en plus dans ce truc là. Voilà. Je repasse l'autre chemin. Donc ça va être par là. Qu'est-ce qu'il dit? On a trouvé l'entrée. Keikoku yomenai na. Keikoku to kaite aru kara ni wa. Bon, il y aura sans doute des ennemis quoi. Dou shita? Nan demo arimasen. Ouais, on sait jamais. C'est marrant, ces décors-là un peu, ça fait à la Final Fantasy VII. J'aime bien. Alors, aurais-je des ennemis? Carte magnétique. Donc à chaque fois, ça veut dire qu'il y aura une carte magnétique à trouver. Allez-y les ennemis, je vous attends. Voilà. Ah oui, c'est Émile qui fait la pétrification. Voilà. Bon, ils sont pas très durs. Hein. Donc ça va. Là, on a un objet. La carte, une autre carte magnétique. Ah non, c'est le reflet des lumières. Je vérifie. Ah bah. Thank you.
Voilà. La carte du complexe souterrain. Ah. Ah, fouf. Ah bah, il m'a carrément... Wow. Je pensais pas qu'il me pétrifierait un aussi important. Un ennemi aussi important. Voilà. Ça va plus vite avec ça. Non, on peut pas tricher comme ça. Ah oui, je vais avoir le tour à faire. Les crocs jumeaux. Ah, c'est une épée. Super. Ça me servira, c'est sûr. Waouh. Alors là, on va pas rigoler. On va pas tous les mis. Voilà. Ça fait un petit nettoyage. Hein. Bye. Okay. Un Nephis. On a bien nettoyé la zone. Ici aussi, voilà. On prend mal. Ouais, je vais utiliser des herbes après, on prendra tout ce qu'il y a. Alors. Objet. Soin. Et merde. Petit. Ah, mes copains. Après, il se cache. Hein. Alors attendez, lui. Voilà. Alors normalement. Ouais, normalement ils sont tous battus. Vieux cahier, une herbe. C'est bon, on peut continuer. Ah, j'ai rien dit. Cette fois, c'est bon. Ah, compte rendu, nous avons fini les recherches initiales sur le numéro 6. Commencer l'expérience initiale dans le jour à venir. Puisque vous êtes un bon moment dans la recherche. Gesalt. Ah. Laboratoire national de recherche sur les armes a fait la réalisation du projet numéro 6 à priorité le gel des autres projets annoncés. D'accord. Ah oui, pour Emile. Emile. Mmh.
Wow. C'est la guerre. Je reste un peu loin et après j'attaque. Il y en a beaucoup. Bon, maintenant c'est bon. J'ai la caméra, voilà. Attends! T'en fais pas pour Emile, je vais le protéger. Ok, oula, oula, oula. Ok. Il y en a beaucoup, hein. Voilà. On va utiliser une herbe. Même deux. J'ai eu un succès, un accro au combo. Mais c'est que je les ai eus. Deux cahiers. Les objets aussi. Hein. Ouais. La carte qui permet de... Oh non, c'est ça que je veux faire, contre... Regardez la puissance de la lance. Alors, on arrive maintenant dans cette zone. Ok. Je vérifie. Hein ? Il m'a pétrifié. Tellement puissant. Et les bébés, ils sont là. Voilà. En fait, les petits sont quand même assez embêtants et font des dégâts rapides, des fois, et... même en attaquant. Oui, Nephthys, tu confirmes. Bah oui, oui, tu confirmes. C'est Nephthys, hein. Je suis dans le labyrinthe. Pas de pan. Je vois ça. Une petite popo. C'est bon? Ouais. Ah, alors l'autre, il a un bouclier, je crois, c'est ça. Ouais. Un bouclier, quoi. D'accord. C'était un bouclier qui renvoyait du coup les attaques du livre. D'accord, ici je peux ouvrir, mais avant, voilà. La carte magnétique. Mais il est toujours à la traîne. Ok, ok, attendez, hop. Alors, un peu de nettoyage. La carte, elle est grande. Ah d'accord, je suis ici. Oh. Attendez, j'ai des copains, là. On peut avoir des bons objets avec ça. Ok.
fameux mot-clé là, qu'on met sur les armes. Là on rigole pas, face à eux. Ah, niveau 18. Ça a l'air d'être bon. Le coup de pied, ça a permis de frapper les trois en même temps. Faut que je regarde. Avant d'aller là, on va plutôt... non, ça c'est bon, aller par là. Non, bah il y avait rien en fait. On arrive ici. Bon, ils veulent à tout prix que... Voilà. Ah, je comprends. Là, c'est un peu plus dur. J'ai fait la lance, mais est-ce que ça marche? Non. Ok. J'ai ouvert sans réfléchir. Alors, attendez, attendez. Voilà. Vas-y, Emile, pétrifie-les. Mais non. On va leur faire du dégât, forcément. Ok, donc ça c'est bon. Ici, il y en a encore un. Ah, les expériences qui viennent. Rigolez pas mes loulous, hein, ça aurait pu vous arriver. Voilà, qu'est-ce qui... Je vois rien. Je vois rien. Ah, voilà. La carte magnétique. Ici c'était bon, ici on l'a vérifié. Oh. Ah. Bon, ça va, ils sont très généreux en herbe. Médicinale, hein, je précise. Bon. Oui, on peut continuer à avancer. Ça marche. Ok, ça va se corser un petit peu. Faut que je tue le. En fait, tout ce que je veux, c'est aller tuer lui, là. Voilà. Bon, je pense que c'est suffisant. On a fait le ménage. On arrive où? D'accord.
faire. Je voyais pas l'angle. Donc là, j'imagine que c'est pour descendre. Ils sont très généreux sur les armes. Ah. Ah ouais, il y avait pas mal de cartes. Voilà. Ah oui. Un boss. Enfin, mini-boss. Oula. Tu veux jouer à ça? En fait, faut que je saute quand il y a ce genre d'attaque. Ah non. Oh, il aurait pu esquiver. Varu arme brise garde plus 10%. Ok. C'est quand même pas facile celui-là. Les tics qui reviennent. Il va rester ici. Avant de descendre. Mon arme. En fait, je voulais lui éditer. Voilà. Ok. Le mur, il a toujours rien. À un moment donné, peut-être que je les utiliserai. Les défenses. Ah oui. Ça va être mieux. Ah, alors la suite. Solution pour stockage en temps numéro 6. Rapport progression de numéro 7. Dissimulation de la partie supérieure du laboratoire en manoir. Ah, Emile. Évident pour lui. Oui, Neftis. Vous battez pas les pigeons. Bah.
Il y a peut-être un autre endroit où je peux l'ouvrir. Attends, par là. Eh oui, petit chemin. Mince. Résistant. Carte magnétique. Oh. Il y en a plein. C'est le gros bordel quand c'est ça. Hein ? J'ai pas regardé. Mince. Ouais, il y a eu beaucoup d'ennemis, c'était risqué et j'ai pas tout regardé. Forcément, ça craignait. Donc du coup, ici, c'est bon. Hein. Il est toujours à la traîne. Y'a rien. Hein. Bon, ça sent bientôt le boss, hein. Je sais pas pourquoi, mais... Oula. Il y a un arbre dans une cage. Ah. L'endroit où Emile était en plus. Ah ! Waouh ! Heureusement qu'il a bien fait les esquives. Il y en a beaucoup, hein. Allez, il faut détruire lui là. Bon. Ah, mon copain ? Ah ouais, mais il y a eux. Faut sauter. Ok, je lui fais une lance. 2, 3. Oh, j'ai sauté. Ouais. 3 lances. 4. Vas-y. Voilà. C'était pas simple. Comme le petit boss. Hein. C'est pas encore un vrai gros boss. Hein. La suite. Le corps du donneur. Aloua a été choisi parmi les 7 candidats, d'accord, afin de protéger le secret d'État. Un seul des candidats restants sera épargné, le corps du donneur Émile sera cependant conservé par mesure de sécurité. Voilà.
どうしたエミール僕が何かを大丈夫だ僕はああそもそも我らの中にまともなもののさAlors, avant de poursuivre, pareil, édition de mots. Ça c'est bon. La tornade, je peux en avoir besoin. Ok, et on va aller vérifier les défenses. Ah, un point de sauvegarde. Ah. C'est bon. Donc il y a cette vue-là, ou il y a celle-là. Ah. David, regardez-moi. On va avoir un boss. Ah ! Il a des pics. Ah, des pics. Est-ce que ça va lui rappeler des souvenirs ? Visiblement, oui. Omoidashimashita. Zenbu. Omoidashimashita. Boktachi wa katsute hontou no ningen deshita. Là. Ningen no doko ni demo iru kodomo dattan desu. Soshite bokutachi wa mahou jikken niyotte heiki ni narimashita. Saikyou no heiki o tsukuru tame ni kurikaesareta jikken. Yagate kyūkyoku no mahou heiki ga umidasareru koto ni nattan desu. Sono heiki no namae wa Dokugo. Numéro 6. Vous avez vu hein, le visage hein, utilisé dans Nier Automata. Dokugo wa seikyoku no nashippai sak deshita. Bousou shita Rokugo wo fuuin suru tame ni tsukurareta sekika nouryoku wo motsu Non, c'est le petit choc pour lui, il se rappelle de tout. Kore ga kyūkyoku heiki 6 go. Boku no onee-san. Ikiteru. Sauf que là, ça va pas être bon. お姉さん は 最強 の 兵器 だから だから なんだ その 魔力 を 手 に すれば 僕 に だって 石化 解除 が できる はず でも どう やって お願い です 約束 して ください もし 僕 が お姉さん に 飲み 込まれて しまったら 僕 は 僕 じゃ なく なって Voilà.
Alors, analysons un peu l'ennemi. Comment il est ? Emile est encore complètement enfermé. Maintenant, il est encore en train de se faire. Je vois ça. Tiens. Il arrive à sortir de cette sphère. Voilà, on y va maintenant. Hein? À quel moment j'arrive sur lui? On va aller pour ça. Tiens. Ah, un mauvais moment. Voilà, il est en l'air. Ah oui. Je vais attendre que ça se recharge. C'est ça. Allez, on fait ça. Voilà. Ça, ça fait bien mal. Ah oui, mais je m'y attends pas, moi, si je passe ça à chaque fois. Putain, il en envoie beaucoup, quoi. Ça lui a pas fait de dégâts, mais... Tiens. On va le tuer à petit feu, hein. Wow. Pas bouger, c'est ça? Fatigué, qu'est-ce que je devais faire à ce moment-là? Une attaque magique? Bah la lance, à la base. C'est...
je vais attendre. D'accord. C'était juste comme ça. Et on a beaucoup maintenant. C'est épique. Méga lance. Bon, maintenant il faut qu'il vomisse Emile. Emile. Sa sœur. Oh, la musique. Beaucoup de codes de lumière là. Quoi? Si on va approcher. Ah. Cette fameuse scène. Non, ça va aller, elle va être contente. Oui. On va aller la libérer. Est-ce qu'il va y arriver? Et je surveille Jaja. Alors. Regardez, vous avez vu tous les codes de lumière là qui sortent? Libéré. Et voilà. C'est le retour. Ah.
Elle est pas venue toute seule. Ouais, mais bon, maintenant ils sont beaucoup plus forts qu'avant. Et la créature, on l'aborde. Allez. Oui, bah oui, Niftis. Hein, qu'on va la battre cette fois-ci. Hors de question qu'on la laisse vivre. ようなBon, je joue, vous avez vu, hein, très près aussi, c'est pour ça. J'essaie d'enchaîner le livre et en même temps d'attaquer. Donc, c'est pas forcément le mieux. Ah oui! Ah bah là, on va lui faire la totale. Regardez, maximum de lance. Pourquoi je me suis foiré comme ça? J'ai fait une bêtise. C'est pas grave, tant pis. Il va nous remettre tous ses pattes, c'est ça? Ah oui, d'accord. Moi, je t'attaque comment? On va rattraper le coup, hein. Et là, cette fois-ci, voilà. Ah, il met les mains. En fait, normalement, quand il a affronté lui, c'était la fin de la première partie. Et c'est le retour de Kaine. Reviens. Le maître des ombres.
おばあちゃんのに負けないやつを。そうか。 長く石化されていたカイヌの目覚め。エミールの見せた優しさ。再び出会う喜びを俺たちは噛み締めていた。 Bah oui. デボルさんたちからその話を聞くまでは。 なぜなんだ? どうしてなんだ? 分かってちょうだい。 揉め事が起きて危害が及ぶのは。 でも! 大丈夫ですよ。 僕らなら外で寝ますから。 待てよ! 己の身を犠牲にして村を救ったカイネとエミール。 なんでも… だって、僕らこんなんだし。 みんな怖がります。 あなたにそう思ってもらえるだけで。 ね? カイネさん。 私は外の方が慣れてる。 そんな… じゃあ、外で待ってますね。 すまないな。 Ouais… L'égoïsme des gens… どうした? 俺…ちっとも気づかなかった。 Bah oui. ちっとも気づいてやれな… くそ… 今日は… C'est déjà comme ça aussi avant. その夜は眠ることができなかった。デボルさんは初めて憎く思った。ポポルさんは冷たい人だと疑った。だがそんな俺の感情には意味がない。彼女たちは村を第一に考えた結果ああいうしかなかった。 村人たちを魔物の恐怖から守ろうとして言ったことだ。 À voir si c'est vrai. デボルさんとポポルさんの罪を責めるなんてできない。カイネたちの立場を知ろうともしなかった。俺も同罪なんだから。 Poporさんたちのところに。わかった。Bon, déjà on va prendre. Libération, le succès, oui. Alors, de l'argent. Des graines de fleurs, ok. Bon, je vais aller sauvegarder là. Vous avez vu, hein, je suis puissant maintenant. Ah. Je te garde. Et voilà mes loulous, bah, écoutez, on est bon, hein. C'est déjà bien. Je vais m'arrêter là pour Nier en tout cas. Donc bah, merci hein, d'avoir suivi cet épisode, donc c'était la reprise hein, pour Nier Réplicante. Et bah, du coup, hein, je finirai bien sûr, il y aura d'autres épisodes pour finir le jeu. Et puis bah merci pour les j'aime, les partages, les commentaires, les abonnements. Et puis bah, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bisous bisous.